Donc, Joanne, à ce moment-ci, à cette étape-ci de la fabrication d'utilisite, on se trouve à remonter la température? Oui, il faut qu'on passe de 35 à 43 en 40 minutes. Donc, on augmente de 1 degré ou 5 minutes. C'est assez laborieux. Il faut brasser continuellement, mais doucement. Donc, on allume un peu le gaz, mais il faut l'éteindre rapido quand ça commence à monter pour ne pas dépasser. Que l'augmentation de la chaleur se passe très, très graduellement. Alors là, déjà, je l'éteindrai là, parce qu'il me reste quand même 1 minute 40. Parce que ce qui est le plus simple, en fait, c'est d'établir une espèce de petit échéancier en termes de minutes puis de degrés atteints. Fait qu'on se fait, nous, des équivalents. On se dit, bon, OK, on met le thermomètre à, supposons, 40 minutes, qui est notre point de départ. Puis à 35 minutes, puis on doit être passé, exemple... Le chronomètre, pas le thermomètre. Le chronomètre, c'est ça. Donc, la température doit avoir monté d'un degré. Donc... À chaque fois que 5 minutes s'écoulent, bien, on doit avoir monté d'un degré. Puis on a notre cible à la fin, au bout du 40 minutes. On doit être monté à 43 degrés. Donc, on voit aussi que plus on brasse, plus le petit lait est très présent. Le petit lait qui est quand même jaune. Puis, aussitôt qu'on ne brasse pas quelques instants, ben notre beau cahier qui, lui, est tout blanc, ben descend dans le fond, littéralement. Donc, à mesure qu'on brasse, ben on se rend compte que ça fait en sorte que le petit lait lui-même, ben se trouve à sortir des morceaux de plus en plus. On fait le transvidage du petit lait. Puis, ben, avec une passoire, on s'assure qu'évidemment, on garde ce qui pourrait s'échapper du moule éventuellement, mais c'est quand même. Donc un geste énergique. Mais on le met directement là-dessus, ça.
Donc, on sort le fromage de la saumure, le telsite. Et puis là, qu'est-ce qui arrive par la suite? Là, on va le laisser un peu. Il a trempé dans la saumure quand même pendant 12 heures. Puis là, on va le mettre dans un bac d'affinage, mais ouvert. On va laisser sécher encore 2 jours. Après ça, on va le retourner. Puis après, ça suivra différentes étapes. Cette fois, c'est le telsite qu'on lave. Même si c'était pas prévu. Donc, c'est normal que quand on affine un fromage, il y a toutes sortes de bactéries, il y a toutes sortes de choses qui essaient de s'implanter sur le fromage. On voit. Comme on fait une inspection à chaque jour, bien, ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe avec nos fromages. Puis, on s'est fait un calendrier aussi parce que si on a plusieurs fromages à la fois et qu'il y a des procédés différents, bien là, à un moment donné, ça devient très mal. Fait que là, maintenant, avec notre petit calendrier, puis notre visite, on fait notre visite normalement le soir en fin de journée. Donc, avant de prendre l'apéro, on va voir nos fromages et puis là, à ce moment-là, ben, on voit si tout va bien. Donc, hier, on a quand même fait un lavage énergique parce que le fromage avait eu un assaut de bactéries quand même assez important. Puis, on a même décidé, un peu audacieusement, de tremper ça dans la saumure pour un petit bout de temps. Puis après ça, le lent travail de joindre au cure-dent, d'enlever toutes les petites moisissures qui persistaient. Parce que notre fromage, curieusement, d'un côté, on le voit là, il y a comme ce qu'on croirait sur la Lune quasiment, là. Puis il y a des cratères, puis de l'autre côté, on voit que, hey, mon Dieu, c'est bien refermé. Ils ont croiré deux fromages différents. Donc, c'est pour ça que puis de ce côté-là, bien, il était quand même assez beau hier. Parce que de l'autre côté, il avait été attaqué. Puis aussi, une chose qu'on a constatée, c'est que les fromages sont souvent plus fragiles dans les premiers temps. Surtout quand on se met à les saumurer ou à les laver avec des solutions de saumure, bien, ça les protège finalement. Ça les aide à former une croûte. On voit que celui-là, bien, hey, oui, il s'en allait du mauvais bord, mais là, oups, le sel l'a aidé, puis il va être quand même plusieurs jours avant de continuer à résister. Puis finalement, bien, oups, mon nez, il va vieillir comme tout le monde. Je ne sais pas si on devrait le tourner ou non.